M'éveiller à mon de Dieu pour moi. M'éveiller à mon de Jésus sur la croix. Bof, les océans profonds plus que les mers, plus haut que l'Asie des cieux et son amour m'éveille m'éveille amour de Dieu pour moi. Veillez à mon amour de Jésus la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers. Plus haut que l'Asie des cieux et ton amour. Que Dieu vous bénisse, nous prenons le psaume. Le psaume 42. Nous lisons la parole de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Caillerai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as bâti mon âme et je me tire au-dedans de moi? Et espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays des Jourdains, depuis le mont, depuis la montagne de Mitzar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, le tonnerre m'a accordé sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent car mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as bâti mon âme et je me tiens au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Comme une biche soupire après des courants, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant, car il est, je paraîtrai de à mon Dieu, oui, encore. Une fois, Seigneur, oui, encore. Une fois, Seigneur, oui. J'ai soif de Dieu vivant, oui, encore. J'ai soif de Dieu vivant. Que ton nom soit célébré encore ce soir, notre Père et notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons vraiment soif du Dieu vivant. C'est vrai, c'est vraiment l'écrit de notre cœur.
de notre âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous te désirons. C'est vrai, pour que nous puissions vivre, mon Père, dans ces temps aussi difficiles, mon bien-aimé Père Saint, nous réalisons combien il est tellement très important que tu sois avec nous. Merci vraiment pour ta fidélité à ta parole. Seigneur, nous efforcerons toujours d'être comme toi tu le veux, Père, pour que toi tu puisses être aussi avec nous, mon roi. Daigne aussi, Père Tubissant, Dieu, nous accorder ce privilège, Seigneur, de nous tenir en ta présence à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es celui qui console nos cœurs. Tu es vraiment notre conseiller, notre guide. Nous avons besoin de toi tous les jours de notre vie, Seigneur, pour prendre nos décisions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, pour pouvoir savoir comment faire les choses, Seigneur, notre Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Sois béni pour ton amour à toi, notre endroit, Seigneur. Oh, tu es vraiment un Dieu merveilleux. Ne te lasse pas de nous pardonner, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin de ton pardon, Seigneur. Chaque jour qui passe, mon bénévole Père Saint-Dieu, nous voulons toujours nous approcher de toi. Sois glorifié encore pour ce que toi tu es pour nous, Père. Ce que tu as fait de nous encore aujourd'hui, Seigneur. Et tu travailles encore davantage, mon roi, et tu fais de nous, Père Saint-Dieu, des personnes que toi et des fils de Dieu que tu veux vraiment avoir, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu transformes ma vie au jour le jour. Merci encore pour ta parole, parce que tu l'as dit dans ta parole, que c'est une nourriture pour nous, Père Tubissant, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de deux paroles sur la bouche de Dieu, Seigneur. Nous voulons t'entendre, mon roi, pour que nos âmes puissent encore se réjouir et celui pour aussi la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour les cantiques. Merci aussi pour les psaumes. Merci, oh Dieu, pour les chants que ton peuple a eu à pouvoir chanter. Nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, nous t'en sommes vraiment reconnaissants encore en ces lieux, Seigneur, pour tous les dons que tu déverses en cet endroit. Nous te remercions pour cela, Père. Merci aussi d'avoir amené nos frères et sœurs qui étaient partis, qui sont venus nous encore ce soir, bénévole Père Tubissant. Tu as gardé leur départ aussi, le retour aussi, l'arrivée en ces lieux. Nous te redisons merci, Père. Sois béni. Ceux qui sont aussi partis, Seigneur, là où ils sont, qui sont aussi protégés par toi, Père Saint-Dieu. Nous te disons merci encore pour tout. Merci pour les psaumes. Merci encore pour notre précieux frère Zaché. Nous te disons merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion dans différents pays, Seigneur. C'est très touchant de pouvoir entendre cela, recevoir des appels à ces sujets, qui soient vraiment aussi bénis et fortifiés. Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Nous l'aimons, n'est-ce pas? Amen. Qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous sentons dans notre cœur tous les jours le désir de pouvoir nous accrocher à lui et surtout de pouvoir l'avoir encore de plus en plus dans notre vie. Que sa présence soit toujours permanente, effectivement, parce que nous voulons nous sentir vraiment rassurés et aussi en sécurité. Nous savons que la parole de Dieu nous fait part, effectivement, de quelque chose de très important pour nous, qu'il est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes se réfugient et se trouvent vraiment en sûreté. C'est cela la joie que nous avons, que dans ce bas monde, effectivement, il s'est fait connaître à nous. J'ai lisé tout à l'heure, effectivement, un petit papier quand je tournais donc, dans mon bureau, et là, je trouvais un petit papier. C'était donc, je crois, c'est Grâce et Anne, donc Grâce de la Sérénité et Anne, effectivement, qui ont écrit ces petits mots. Et je l'ai oublié sur mon bureau, mais je crois qu'ils ont dit, quand je contemple l'ouvrage de tes mains et la nature que tu as créée, pourquoi l'homme veut détruire ce que tu as fait? J'ai dit, c'est quand même extraordinaire. J'ai dit, ça c'est extraordinaire. Des enfants de leur âge. J'ai dit, Dieu merveilleux. Et c'est vrai. Tout ce que Dieu, notre Seigneur, a fait est tellement beau. Voilà que, effectivement, l'homme, effectivement, dans sa pensée, puisque l'homme s'est éloigné de Dieu, il ne sait plus apprécier la beauté en réalité. C'est pour ça que je prie que nos frères et sœurs, et puis nos enfants aussi, jeunes filles surtout aussi, que le Seigneur le soutienne. Parce que la beauté véritable, c'est ce qui est naturel. On n'a rien à ajouter à la rose pour qu'elle soit rose. Elle est rose parce qu'elle est rose naturellement. C'est ça la beauté.
tout ce qu'on a pris comme artifice et tout ça, ce n'est pas la beauté. Il n'y a rien à ajouter au ciel pour pouvoir l'apprécier. Il n'y a rien à ajouter au coucher du soleil pour pouvoir apprécier la beauté du coucher du soleil. C'est son naturel. Et puis, ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est naturel. C'est un don que Dieu t'a fait. On l'apprécie. Apprécie ce que Dieu a fait de toi. C'est aussi là que tu rends gloire et honneur au Seigneur, disant Seigneur. Et là, tu peux aussi chanter, hein, ce que le psaume te dit. Je te loue de ce que... Comment ça? Oui, c'est dans le psaume, hein, 139. Tes mains m'ont fait, ils m'ont formé. Amen. Tu es le grand artiste, en fait. Quand tu prends la masse, je n'étais qu'une masse infâme. Mais les mains du grand potier, du grand architecte, m'a formé tel que je suis. C'est, nous devons apprécier Dieu dans tout ce qu'il est, dans sa gloire, effectivement. Aussi. Il n'a rien oublié, il n'oublie absolument rien. Lorsqu'il a créé les animaux, il n'a absolument rien oublié, en fait. Chaque oiseau qu'il a créé, il a donné les plumes qu'il lui fallait. Les corbeaux n'ont pas besoin de prendre les plumes de l'aigle sur lui. Mais sinon, les plumes de l'aigle sont pour l'aigle. Celui de la colombe, c'est pour la colombe. Et c'est à sa juste place, à son endroit juste. Et il se réjouit de ce que Dieu l'a fait ainsi. Nous devons vraiment reconnaître ce que notre Dieu est. Mais ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui pensent que Dieu a fait une erreur. Nous prions pour eux parce que ce n'est pas eux, mais c'est Satan, en fait. C'est vraiment l'ennemi de notre âme. Comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, ne lui faites jamais confiance, parce que c'est un séducteur. Ne faites jamais confiance aux démons, jamais. Mais vous faites confiance à la parole de Dieu. Parce que la vérité sort de la bouche de Dieu. Et ce que la parole de Dieu nous déclare et nous dit, c'est la chose véritable. Parce que, frères et sœurs, quand nous pouvons... même lire dans la parole de Dieu nous montrant que, et ça doit aussi nous toucher à nous-mêmes aussi. Que tous ceux qui t'entourent, mon frère, ma soeur, jeune frère, jeune fille, tous ceux qui t'entourent, que tu peux voir effectivement la nature tout entière, en fait. Comme la Bible dit, la création, elle soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et quand on parle de manifestation de fils et de filles de Dieu, ils attendent effectivement les vrais fils de Dieu. Les naturels, en fait, ce sont des fils qui sont vraiment nés de Dieu. En fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça ne peut pas être une formule, en fait, que notre Seigneur nous aide. Je vous en supplie, comprenez bien ce que Dieu nous veut, en fait. Lève-nous, nous allons lire dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous avons un service de baptême tout à l'heure, effectivement, aussi. Je prie que le Seigneur nous aide, que nous ne puissions pas rentrer dans le... Enfin, beaucoup plus tard, effectivement, aussi, dans la maison. Je pense que nous devons quand même rentrer un peu plus tôt. Je pense que c'est cela. Je sais que c'est cela, ici. Je pense que c'est cela. Okay. Je pense que... Ça se peut que ce soit là, et aussi que si. Et que ça, c'est ça.
que signe. Unique signe, que signe. Alors, il y a l'écriture que je dois vous dire. Peut-être que c'est là, mais un instant, je pense que c'est que nous pouvons les faire ici. Oh, 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 c'est. J'y étais, je suppose que c'est cela. Ah, c'est parti. Vas-y, ici. Chapitre 6, elle dit, c'est que verset 43, Luc au chapitre 6, verset 43, elle dit ceci. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son. Vous y êtes, hein? C'est la même chose. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons encore ce soir devant ton trône de grâce pour te remercier encore pour ta bonté à notre endroit et ton amour aussi à notre endroit. Tu nous as permis aussi en fait que nous puissions être rassemblés ce soir pour louer ton Saint-Nom comme notre précieux frère l'a lu encore dans les psaumes. Comme une biche soupire après des courants doux. Ainsi aussi notre âme soupire après toi, notre Dieu. Nous te remercions encore aujourd'hui, encore pour ces privilèges que nous avons. Merci encore pour ce moment. Merci aussi pour ta parole. Daigne maintenant aussi nous conduire encore à nous inspirer. Seigneur, nous prions parce que nous avons tellement besoin de toi. Aide-nous, car je t'ai ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Saint, c'est le Seigneur lui-même qui nous parle effectivement avec des types. Pour que nous puissions, même en l'écoutant et puis en observant, que ça puisse rester vraiment gravé aussi à nous. Parce que c'est important effectivement aussi quand nous écoutons la parole de Dieu, parce qu'il va nous le dire tout à l'heure aussi. L'écoute de la parole de Dieu est très, très importante pour le fils et les filles de Dieu. Parce que comme vous pouvez le savoir effectivement aussi bien que moi, qu'il y a toujours trois sortes de croyants. Parce que tout le monde s'est dit croyant, mais il y a toujours trois sortes de croyants. Il y a donc les incrédules, on ne peut pas le placer parmi ceux-là. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les soi-disant, donc, croyants. Et puis, il y a le vrai croyant. Vous pouvez remarquer qu'effectivement, que dans Jean, au chapitre 6, notre Seigneur parlait, comme vous savez, il a dit, celui qui... Il dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang, vraiment un breuvage. Lorsqu'il disait cela, c'était vraiment la vérité, la parole qui était nécessaire
qu'elle soit donc crue, en fait. Il dit, mais si vous ne mangez la chair du Fils, et si vous ne buvez donc son sang, donc, vous parlez de lui, vous n'avez point en vous la vie éternelle. Donc, et ces gens qui pouvaient l'écouter, effectivement, et je crois qu'il y avait parmi ces gens-là beaucoup de monde. Et parmi eux, il y avait donc des pharisiens aussi, des sadducéens. Vous connaissez leurs qualités. Dès le départ, ils étaient toujours amagués, qui suivaient les seigneurs, toujours pour trouver quelque chose pour en fait leur redire, et toujours la foule pour montrer toujours qu'il n'a jamais été avec Moïse, et il ne se réfère pas toujours à Moïse, effectivement, parce que nous sommes des... Donc tout ça parce qu'ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas que celui-là était donc le Christ. D'ailleurs, vous savez très bien qu'ils avaient donc dit que s'il y aurait quelqu'un qui le reconnaissait comme le Christ, il serait donc exclu donc des synagogues, effectivement, aussi, donc personne ne pourrait même pas avoir accès. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas, ce qui veut dire qu'ils étaient donc des incrédules. Tout ce qu'ils pouvaient dire, effectivement, pour eux... Ils ne les voyaient pas, ils voyaient toujours Moïse davantage, effectivement. Donc, ils étaient donc incrédules. Regardez très bien ce qui est en même terrible. Ils étaient des fondamentalistes, en fait, dans Moïse. Ils croyaient Moïse. Ils se référaient toujours dans Moïse. Mais en fait, ils étaient des incrédules à la parole de Dieu. C'est parce que la Bible nous le fait savoir. Jésus-Christ, notre Seigneur, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était donc Dieu. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole faite chair. C'est ce que la Bible nous a fait savoir. Donc si vraiment ils croyaient, c'est pour ça qu'il dit que si vraiment vous avez cru aux écrits de Moïse, vous aurez aussi cru en moi. Parce que c'est de moi que Moïse a parlé. Il dit, ce n'est pas moi qui vous accuserai devant les pères. Non, c'est Moïse-là qui lui-même va vous accuser. Et quand on pouvait les voir, effectivement, c'est-à-dire, Moïse a dit, effectivement, on peut dire, moi, ils sont spirituels. Vous imaginez cela, non? Mais en fait, c'était des véritables incrédules. Parce que ils ne voulaient pas écouter la parole qui était donc en face d'eux. Je crois que c'est aussi, probablement, pas probablement, mais c'est quoi? C'est aussi comme dans notre temps aussi. Vous savez, dimanche, Dieu voulant, je vais quitter ici pour partir au Mexique. Mais vous savez qu'au mois de mai, j'étais au Mexique. Dans toute la région de l'Amérique centrale, c'est là, les frères qui sont là-bas ont été vraiment plongés dans ce qu'on appelle le branhamisme, donc je dis. Les pauvres, mais on les a eu à pouvoir mettre dans des situations tellement difficiles que pour eux, réciter les brochures, réciter chaque fois que Frère Branham a dit, pour vous montrer bien mes frères Branham. Frère Branham, on en a fait un antéchrist. Frère Branham a dit, que pour eux, c'était vraiment croire à la parole de Dieu et aller dans l'enlèvement, en fait. Alors, lorsque je suis parti là-bas, c'était dans ce milieu-là où c'était toujours assis, ils vous envoient des textes, des brochures et tout ça, ainsi de suite, et quand il passe pour pouvoir même parler, prêcher, toujours avec des brochures. Citation sous citation. J'ai eu à entendre, effectivement. Des citations sous citations, là-bas. Et quand je suis passé du haut de la chair, je suis passé qu'avec ma Bible. Ouais. Et j'ai prêché la parole de Dieu selon les Saintes Écritures et en me basant simplement et uniquement sur la Bible. Et alors, pendant que je prêchais aussi, j'ai pris la Bible, je l'ai soulevée, vous pouvez avoir des photos, j'ai dit, ceci est notre absolu.
ça doit être l'absolu du peuple de Dieu. Or, ils ont toujours été instruits que l'absolu, ce sont les brochures. Mais je l'ai montré dans les Saintes Écritures qu'aucune brochure ne peut être un absolu. Je sais que beaucoup de nos frères entendent, mais je préfère qu'ils écoutent d'abord avant de se précipiter pour pouvoir déjà prendre déjà des avances. J'ai dit, la Bible reste et définitivement l'absolu. Et je l'ai redit d'une manière aussi claire et précise, parce que j'ai dit, mais le fait de dire tout le temps, frère Branham a dit, est contraire à la parole de Dieu. J'ai dit, vous devez revenir à dire, le Seigneur a dit. Amen. La parole de Dieu dit, Amen. Le Seigneur a dit. Amen. Vous savez, les démons se sont mystifiés là-bas, ils ont commencé à pouvoir agiter, mais j'étais tranquille, vous savez, parce que je savais où je m'étais né. Mais comme la parole de Dieu était la parole de Dieu et que Dieu était présent, Amen. Les cœurs de beaucoup ont été profondément touchés parce que c'est comme si on avait enlevé un peu un voile comme ça. Et ceux qui se sont énervés, mais après, je crois, le peuple et les autres ont dit, c'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est la vérité. C'est pourquoi... Très peu de temps après, vous avez remarqué qu'ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé un message qu'il faut que tu reviennes encore, parce que maintenant, ce sont le prédicateur, tous ceux-là qui étaient, frère Branham a dit effectivement, qui veulent que tu puisses revenir. Ça va organiser la réunion pour cela. Ça, tu vas parler maintenant au prédicateur. Donc, leur parler, oui, bien sûr. Vous savez, c'est toujours important de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Elle est celle qui libère davantage. Peu importe les critiques ou les insultes qu'on peut avoir. Mais si vous aimez Dieu, vous êtes censé pouvoir aimer son peuple. Parce que ces pharisiens-là qui étaient toujours, ils étaient aveugleux. C'est Satan qui les a aveuglés. Et si Dieu accorde effectivement aussi la possibilité. Vous savez, il y avait aussi parmi ceux-là aussi des fils de Dieu. Bien sûr. Mais ce sont les doctrines et tout ça. L'emprise effectivement qu'il y a la pression en fait. Je vais vous donner un exemple, vous allez un peu plus comprendre, c'est vrai, mais prenons ici l'apôtre Paul. Pharisien, phrygien, hébreu, tout ça. Et alors là, comme il était tellement pharisien, les démons là, lui, effectivement, que toujours Moïse a dit, parce que ça, c'était mauvais esprit. Et dans cet état, effectivement, il persécutait l'église de Dieu. C'est pour ça qu'il a entendu cette voix pendant qu'il partait. Le Dieu continue, il dit, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Alors que lui, il est né, il était dans la religion, il a dit, mais je sers Dieu, je sers les Yahvé, les dieux de nos pères, c'est celui que je sers. Il vous a dit cela, non? Vous connaissez mon zèle dans les traditions de mes pères. Et ils pensaient qu'ils servaient ces dieux vivants. Mais les pharisaïsmes, effectivement, l'a mis tellement loin de la pensée de Dieu, du plan de Dieu, qu'ils combattaient Dieu lui-même. Qu'ils pensaient pouvoir servir. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, c'est pas possible. Il dit, mais qui es-tu donc, Seigneur? Parce qu'il savait que Dieu s'est révélé comme ça, vous le savez. Il n'avait pas dit, mais je suis donc Jésus que tu. Et pourtant, notre Seigneur Jésus est monté au ciel. Vous voyez que la Bible a toujours raison. Amen. Il est au ciel, c'est la tête. Et sur la terre, Amen. Se trouve son corps. Amen. C'est ce que vous êtes, mon frère et ma soeur. Ne négligez jamais cela. Et n'oubliez jamais cela. Ne pensez pas que nous sommes dans une aventure ou dans un jeu. Non, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans la réalité, effectivement.
de choses divines. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il a dit, voici, je suis avec vous. Pas tous les autres. Tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il veille et il prend soin. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, dans ta vie à toi, le jour où tu l'as accepté, vraiment du plus profond de ton âme, tu as dit que ma vie maintenant t'appartient, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux, tout ce que tu voudras, je le ferai. Vous ne devez plus jamais vous inquiéter. Jamais vous inquiéter. Vous le connaissez. Il est mort pour toi. Et que toi, tu puisses... D'abord, quand il l'a fait, tu ne l'aimais même pas. Il est allé même jusqu'à la mort pour toi. Mon frère et ma sœur, ne te sens pas étranger aujourd'hui aux choses de Dieu. Elles sont donc tiennes. C'est pas comme une comédie qu'on vient ici pour s'asseoir, pour se dire, se voir. Non, mon frère et ma sœur, il faut que cela sorte effectivement de toi. Ce que nous sommes en train de vivre, effectivement, c'est ce que Dieu a voulu que son peuple puisse passer et que nous puissions être enseignés. Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a daigné t'accorder toi, son esprit, pour que lorsque tu serais en milieu de ceux qui sont de soi-disant croyants et des incroyants, que toi en tant que fils, au plus profond de ton âme, tu entends la voix. Parce que les incroyants, les soi-disant croyants, ils peuvent regarder, être là et même entendre. Ils ne ressentent rien parce qu'ils combattront toujours la parole de Dieu. C'est comme ça qu'étaient donc les pharisiens. Alors vous remarquerez très bien que dans ces groupes, effectivement, nous revenons dans Jean 6, il y avait donc des pharisiens qui... Vous connaissez l'écriture ou vous voulez qu'on lise? Vous connaissez l'écriture, non? Bon. J'aime bien que vous m'aidiez aussi. Vous avez des bouches, vous avez la voix. Quand je demande, vous connaissez l'écriture, vous répondez. Mais quand vous ne connaissez pas, faites-moi savoir que vous ne connaissez pas, comme ça je peux lire. Vous connaissez les écrites, l'écriture en question? Non. Voilà, ça c'est plus facile. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 6. Bon, je vais lire beaucoup, hein. Ça, comme ça, tous ceux qui sont avec nous aussi, qui sont en connexion, puissent aussi voir aussi. Alors, oh Seigneur Jésus. Bon, je vais lire quand même beaucoup. Aïe. Vous allez permettre que je lise cela. Aïe Seigneur, mon Dieu. On va lire tous les chapitres entiers, mais c'est beaucoup. Bon, on va quand même prendre. Alors, nous disons à partir d'ici. Verset 28. Non, pas. Verset 26. Je vais lire beaucoup. Hein. Jésus donc leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est pas difficile de simplement croire. Est-ce que vous suivez? Et puis il dit, mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, c'est merveilleux, hein? En vérité, je vous l'ai dit.
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Voyez, c'est ça le problème avec les gens. Parce que ils prennent toujours, comme là on le voit dans les Saintes Écritures, Moïse comme étant l'absolu en fait. Mais ils l'ont toujours considéré comme ça, Moïse était un absolu, surtout pour les pharisiens. Mais maintenant, dire quelque chose comme ce que le Seigneur vient de dire, parce que pour eux, c'est clair que Moïse, il n'y a pas un autre, Moïse a donné le pain du ciel. Et c'est vrai, non? Mais maintenant, entendre de la bouche de celui, c'est pour ça qu'on disait, mais lui, il n'y croit pas en Moïse, effectivement, il est contre Moïse, vous vous souvenez, non? C'est pour ça, il dit ici, en vérité, en vérité, vous lui dites, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ça, c'est une bombe, quand même. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc, il dit quelque chose qui est contraire à ce que Moïse a dit. Est-ce que vous suivez? Mais en fait, il ne disait pas quelque chose qui était contraire. Il voulait leur montrer, en fait, les choses comme elles doivent être comprises et reçues, effectivement. Parce que la parole de Dieu est toujours spirituelle. N'oubliez pas, nous l'avons parlé, je pense, mardi. L'homme est toujours charnel. Il va toujours comprendre les choses en premier lieu, charnellement. Parce que c'est le spirituel qui vient après. Mais Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il dit, mais non, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, mais Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Ils ont demandé le pain. Jésus leur dit, voici, vous voulez avoir du pain. Vous voulez vraiment avoir du pain. Eh bien, je vais vous donner le pain. Il dit, voilà, il dit, je suis donc le pain de vie que vous désirez. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous suivez? Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Et pourtant, vous l'avez demandé. Nous voulons de ce pain, parce que c'est ça le problème avec la religion dans la pensée, dans les hommes. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous avons besoin que le Seigneur nous aide à ce que nous soyons totalement délivrés. Frères, nous avons avalé des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec l'élection, mais des choses qu'on nous a mis tellement dans la tête. Parce que les uns, quand ils ont appris, ils ont interprété à leur manière, ils nous ont donné aussi à leur manière. Et puis on est entré dans des dogmes et des credos sans se rendre compte des choses qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Parce qu'on dit, les prophètes a dit. Et quand on dit, Moïse a dit, c'est la tremblote. Mais c'est qu'on ne s'est pas rendu compte que on ne tremble qu'à ce que Dieu a dit. Donc, alors rien de bien dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne, vous entendez cela, viendront donc à moi. Ça change, hein? Ça change, mon frère et ma soeur. Il dit, tout ce que le Père me donne, viendront donc à moi. Donc, il était sûr et certain, même si le monde ne voulait pas de lui, il y aurait toujours des gens qui croiraient en sa parole et qui l'aimeraient vraiment et qui croiraient effectivement qu'il, même si on l'a entendu, ne croyait pas en lui, il n'est pas le Messie, il est contre Moïse, effectivement, même si on dit ça, il croirait toujours qu'il est vraiment le Messie. Nous continuons. Il dit, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient donc à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il dit,
la volonté de ce que je ne perde rien de ce que lui m'a donné. Alors, souvenez-vous dans Jean chapitre 17. Ah, que Dieu vous bénisse, que cette mémoire, elle est bonne. Hein. Je suis heureux, je suis heureux. Jean 17, verset 4, il dit, « J'étais glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Alors maintenant, il dit, dans sa prière, il dit, nous allons lire encore, verset 14, il dit, « Je leur ai donné donc ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole donc est la vérité. Connaissez-nous? Et si nous retournons ici, effectivement aussi, au verset 6. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde, n'est-ce pas? Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé donc ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vous vous souvenez? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous entendez, non? Donc tout ce que le Père donc, m'a donné viendra à moi, donc je ne perdrai rien. Écoutez bien, dit, c'est pour eux que je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont donc à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié donc en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Vous connaissez, non? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture donc fût donc accomplie. Il a dit non, afin que je ne perde rien de tout ce que le Seigneur, dont le Père m'a donné. Donc si toi, tu fais partie du nombre de ceux-là, comme l'Écriture Dieu a dit effectivement, car tout ce que Dieu a connu d'avance. Et nous avons aussi appris ici comment reconnaître que Dieu nous a donc connus d'avance. Afin que nous ne puissions pas être dans l'égarement, effectivement, aussi. Comment aussi on peut reconnaître que Dieu nous a connus donc d'avance, effectivement. Vous vous souvenez? Peut-être pas. Hein? Ben, nous l'avons lu ici, dans le livre de Romains. Parce qu'on ne veut pas rester trop longtemps là-dessus. C'est toujours important que vous prêtiez toujours attention parce que tout s'emboîte en fait. Oui. Et puis, nous avons lu aussi, je pense que nous allons lire, passer dans Jean 6, on lisait, effectivement, on va peut-être arriver à cela aussi. Bon, retournons dans Jean 6, effectivement, c'est parti. Alors, il dit, verset 39, on avait dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, n'est-ce pas? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai donc au dernier jour. » C'est clair, hein? Vois et crois en lui. Alors, la vie éternelle est à toi. C'est pourquoi il a révélé, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il ne s'est pas arrêté là. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce qui confirme que tu as la vie éternelle? Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu l'as reçu, ce Seigneur Jésus de la Bible, de tout ton cœur, et que ton âme ne fait comme notre précieux frère l'a lu, comme une bûche soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après ton Dieu. Et ce désir profond, vous savez, nous l'avons parlé aussi, biche, non, c'est pas non? Quand il est blessé, pour vivre, il faut qu'il trouve en fait de l'eau. Parce que s'il n'a pas de l'eau, ça va toujours continuer à pouvoir saigner, il va mourir. Il n'a pas besoin de pouvoir avoir l'herbe ou manger du sel, non, il a besoin seulement de l'eau. Et c'est cela aussi que nous
pouvons arriver à pouvoir nous poser aussi la question, de pouvoir savoir ce qu'il en est aussi avec nous et la relation que nous avons avec notre Dieu dans notre marche aussi. Donc, le Seigneur sait que si toi, tu l'as reçu de tout ton cœur et tu l'aimes autant que tu ne peux pas vivre sans lui sur cette terre, sois rassuré que peu importe ce qu'on peut faire, on peut dire le baptême du Saint-Esprit est à toi. Tu vas l'expérimenter. Qu'il nage, qu'il puisse faire noir ou quoi que ce soit, le baptême du Saint-Esprit, tu vas l'expérimenter. Parce que tu as eu à pouvoir faire ce que Dieu t'a demandé de pouvoir faire. Quiconque voit le Fils et croit en lui. Mais c'est parce qu'effectivement que cet amour de Dieu a été déversé en toi. Et le Fils, ce n'est que la parole divine. C'est cela que le diable est tellement rusé. Il te pousse, toi, à combattre l'évangile quand la parole dit, frère et soeur, on doit vivre comme ça, on doit marcher comme ça. Et tu commences à pouvoir devenir nerveux. Et tu dis, mais on m'en veut, on t'en veut en quoi? Mais c'est ta vie à toi. Tu es appelé à être la parole. Tu ne peux pas te combattre toi-même. Est-ce que vous comprenez les degrés qu'on a? C'est cela. Donc, peu importe, parce que moi, je ne peux pas chercher à pouvoir me conformer au monde. Je sais que celui qui contrôle le monde, qui dirige le monde, c'est Satan et ses démons. Donc, je ne peux pas chercher, moi, aujourd'hui, à pouvoir plaire au monde, en fait. Que je fasse ici, comme j'entends, et ça m'a vraiment fait trop mal au cœur, que j'entends qu'il y a de jeunes frères qui demandent aux jeunes sœurs, comme si moi je vais t'épouser, mais il faut que tu mettes un peu d'étiré, tu mettes un peu toutes ces choses-là. Enfin, il faut t'arranger quand même. Si vous avez un frère comme ça qui vous demande la main, abandonnez-le. Parce que ça, c'est pas un fils de Dieu. La beauté que Dieu, si déjà il n'apprécie pas ta beauté à toi, mais il va apprécier la beauté du plastique, Seigneur. Donc quand il va te toucher dans ses bras comme ça, il va toucher, il aimerait voir le plastique, mais pas toi. Que Dieu nous aide. Alors que Dieu nous aide. Je crois que non, c'est vrai. Vous ne devez pas vous donner à n'importe qui. Hein. Non. Non. C'est nécessaire. Frère, quand vous êtes enfant de Dieu, fille de Dieu, ne vous inquiétez pas, votre père. Et je le répète toujours, Adam ne s'inquiétait de rien. Il n'avait même pas ça. Mais son père pensait à lui, qu'il doit avoir une famille, qu'il doit avoir un... C'est pour ça qu'il a crié. Soyez féconds. Il a dit ça, non? Bon, non, ce n'est pas le sujet. On revient ici. Alors nous étions... Oh oui, c'est voilà. Nous avons lu ici, voilà, la vie éternelle, verset 41. Vous suivez très bien, il dit, pour que vous puissiez comprendre, hein. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous entendez cela, non? Oui. Parce que d'avant, nous avons parlé de trois sortes de croyants. Vous vous souvenez? Vous gardez ça en mémoire, non? Il dit, il disait, ouh, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? C'était toujours les pharisiens, les sadducéens, tout cela, qui les suivaient. Et quand ils écoutaient, ils avaient toujours Moïse dans leur pensée. Alors, ils étaient tellement charnels qu'évidemment que, alors, ils voulaient voir autre chose. Parce que s'il était en disant, mais Moïse a dit, ils allaient la voir comme ami. Ça, le grand problème. Et maintenant, là, lui, il parle de ces choses concernant la parole de Dieu. Il rentre dans le domaine charnel, effectivement, il dit, mais nous le connaissons. Et c'est le fils de Joseph et de Marie, on connaît très bien, nous savons d'où il est. Comment peut-il dire que je suis donc descendu du ciel, ainsi de suite? Mais c'est parce qu'il n'avait pas bien vérifié les Écritures. Il n'était pas fils de Joseph. Non. C'est pour ça qu'il faut connaître ces Jésus. Il faut bien les connaître, effectivement. C'est pour ça qu'on en a donné trois aux gens. C'est ce que le diable a fait, non? Dieu le Père, Dieu le Fils, il y en a trois. Mais il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul. Amen, amen. S'ils avaient bien sondé les Écritures, ils allaient savoir
effectivement. Parce que vous vous souvenez quand les mages sont venus dans Jérusalem, non? Il dit, mais où est le roi d'Égypte venait d'être? Effectivement, ça troublait tout le monde. Hérode était troublé. Il a dit, mais consultez les manuscrits. Qu'est-ce qu'il en dit, effectivement, à propos de cela? Ils ont trouvé des mots. C'est écrit, et toi, Bethléem, petit entre les milliers, de toi naîtra celui qui doit paître. Vous vous souvenez, non? Mais ils devaient savoir, effectivement, quand ils vont plus loin, comment ils devaient naître. Et de qui viendrait-il, effectivement? Mais eux, bien qu'ils lisaient, ils ne voyaient pas. Ils regardaient en disant, mais fils, il n'était pas fils de Joseph. Non, 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 Joseph n'avait rien à voir. Alors nous disons, et puis verset 43, il dit, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Parce qu'il ne parlait pas à haute voix. Hein. Comme quand vous critiquez la main, il se prend pour qui? Même bien quand vous êtes assis ensemble, il écoute, il murmure contre lui, il dit, mais il ne sait pas où il pense quoi, effectivement, alors qu'il ne pense rien. Mais c'est vous-même qui a. Ah oui, il dit, ne murmurez pas entre vous, parce qu'il connaît tout, hein, les cœurs. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc l'incrédule, il est arrêté par son incrédulité. Et pour ça, il disait, mais vous ne murmurez pas entre vous, je sais que nul ne peut venir. Donc tu ne peux pas croire en moi si cela ne t'a pas été donné par le Père. Vous voyez déjà comment est celui qu'on peut considérer, qu'on considère comme étant un incrédule, bien qu'il lise, bien qu'il peut dire que je crois, j'ai la parole, j'ai ceci et cela, alors qu'en réalité, il est un incrédule. Nul ne peut venir à moi. Si cela, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45, que nous connaissons. Il est écrit dans le prophète. Vous voyez? Ils seront tous enseignés de qui? Maintenant, vous comprenez, non? C'est pourquoi ils savaient, ils regardaient que ces gens-là, bien qu'ils citaient Moïse, qu'ils avaient le manuscrit, mais ils étaient vides à l'intérieur. Ils n'avaient qu'une connaissance charnelle. C'est pour ça, n'ayez pas peur de tout cela que vous dites. Oui, les prophètes ont dit ceci et cela. Regardez simplement la vie de ces gens. C'est pour ça, frères et sœurs, ne vous faites pas amis avec tout le monde. Dans vos Facebook, dans vos ceci, dans vos cela, on va vous bombarder des choses inutiles, de ceux qui se prennent pour qu'ils connaissent très bien les messages. S'ils connaissaient vraiment les messages, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Ils croiraient à la parole de Dieu. Et oui, ils se conforment simplement aux saintes écritures. Que Dieu nous aide. C'est vous, jeune fille et jeune homme, effectivement, qui avez des contacts à gauche et à droite et dans lesquels on vous fourmille des choses et des gens qui sortent, effectivement, ils vivent une mauvaise vie, effectivement, ils se prennent pour les pieds, c'est eux qui doivent vous enseigner. Les prophètes a dit, et ceci et cela, et vous aussi, vous tremblez. Ah, si vous ne citez pas le prophète, vous n'irez pas dans l'enlèvement, et si, c'est si, et chez vous, vous tremblez, effectivement. Et c'est ça, le problème. Voilà la catégorie. Bref, c'est ça que ça va choquer peut-être beaucoup. Et puis, ils vont encore détester plus. Ça, c'est pas un problème. Donc, il faut quand même reconnaître que dans la plupart du temps, la grande majorité qui disent avoir cru le message, qui croit avec les prophètes, a dit, ça, c'est la semence du malin, en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fils de Dieu. Et surtout, parmi ceux-là, mais c'est la vérité. Ça va choquer, mais c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même... Oui, c'est vrai. Et nous voyons, la Bible a raison. Les pharisiens étaient tellement attachés à Moïse. Et toujours, et quand, comment ils impressionnaient le peuple par les faits que Moïse a dit. Et Moïse, et ceci, et Moïse, effectivement, on le prenait avec beaucoup. Vous connaissez cela? Mais en fait, ils étaient la semence du malin. C'est la tactique du diable, en fait, pour détruire, en fait, ce que Dieu a fait. Frère Branham, c'est vraiment un véritable, j'ai beaucoup d'estime et de respect, mais les branhamistes, ce sont des démons. Non, l'homme de Dieu n'a pas de problème. Moïse n'avait pas de problème. Mais les pharisiens, oui, la semence du serpent, ne soyez pas étonnés, que ça ne vous choque pas, c'est moi qui déclare. Quand nous voyons, mais c'est bibliquement, je peux l'éprouver, hein. Bien sûr que... Regardez, quand Jean-Baptiste était né là,
voyant venir à lui des pharisiens, des sadducéens qui venaient avec des longs cheveux, Moïse, il dit, mais race des vipères, ça veut dire sémence des serpents. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est la même chose aujourd'hui, mon frère. Hein? Il vous dira, ah, certainement il a fait des cas, mais c'est moi qui l'ai fait. Et je le prouve dans les Saintes Écritures. D'ailleurs, c'est pour vous, frères et sœurs. Vous ne pas trembler à tout un frère qui vient à gauche, qui vient là, et puis vous voyez, ça vous secoue. Ah, il faut venir chez nous, il n'y a rien, ce n'est que du vent. Voici du lourd. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est pour ça que vous avez remarqué que tous ceux qui sont, oh, Frère Bonhomme a dit, on a pu voir que de leur fond intérieur, ils étaient vraiment de l'autre côté. Parce qu'ils ont même déclaré, j'aime Frère Bonhomme plus que Jésus. Vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Vous me détestez, mais c'est la vérité. C'est écrit, c'est que vous voyez très bien. Et puis, après, nous l'avons lu, non? On ne peut pas trouver des mauvais fruits, en fait, à un bon arbre. Chaque semence devra produire selon. Il y en a de ceux qui se posent la question aussi, mais frère, pourquoi? Mais en fait, vous ne savez pas, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Ils doivent avoir la réponse. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu, laissez. Mais toi aussi. Parce que tu dis aujourd'hui, mais on va t'approcher aussi. On va t'influencer dans le mauvais sens. Trois sortes de croyants. Les pharisiens étaient parmi ceux qu'on considère comme étant les incrédules. Je voudrais que vous les compter parce que c'est comme ça qu'ils étaient. Chaque fois que le Seigneur prêchait la parole, il murmurait. Et voilà qu'il dit maintenant, il dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc si vous n'avez pas l'amour de Dieu au fond de vous, comment voulez-vous que Dieu vous enseigne? Or, tous ceux que Dieu a commis d'avance, il les a déjà aussi enseignés. Vous allez le voir, c'est ce qu'il a déjà dit ici. Hein. Regardez très bien. Vous avez un peu le temps? On va présenter. Il dit, verset 45, dit, il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient donc à qui? Voilà. Le Père étant la parole. Et moi, je suis donc à la parole. C'est ça, non? Alors, si la parole t'a enseigné la parole, tu ne peux que venir qu'à la parole. Est-ce que vous avez compris? Si donc, qu'a reçu donc l'enseignement du Père, il ne peut venir qu'à moi. Vous suivez? J'ai eu Seigneur, hein? C'est vrai, chez 230. Alors, il dit, mais. Verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Celui-là a vu donc le Père. En vérité, écoutez bien, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi, plus clair que ça, à la vie éternelle. Donc, en dehors de moi, il n'y a pas de vie éternelle. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle, vous savez, les pharisiens étaient en train d'écouter, ils disent, mais qui te. Vous vous souvenez encore dans Jean chapitre 8, ils disent, mais tu te prends pour qui, toi? Il se trouve que tu es un démon, tu dis que celui qui garde ma parole ne verra point jamais la mort. Ils ne comprenaient rien. C'était la sémence du malin. Mais ils prétendaient pouvoir croire, nous, on était des croyants, des incrédules, en fait. C'est ça que. C'est important que vous compreniez cela, parce que souvent, c'est toujours dans la rue qu'on dit, ce sont des incrédules. Des athées là-bas. Non, parmi tous ceux qui ont aussi, et là, qui se disent frères aussi. Et oui, ils sont dans la catégorie des incrédules. Si, c'est pas moi, mais la Bible nous le prouve. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne. Il nous le prouve. C'est pour que vous ne puissiez pas être surpris de la fournaise qui est autour de vous, en fait. Soyez sur vos gardes. Et continuons aussi, il dit, verset 48, il dit, il répète encore, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts. Là, il revient encore. Hein.
pour frapper encore. Peut-être que bon, quand il a dit là-bas, il a dit, bon, c'était un peu comme c'était nana. Il m'a dit, mais il vient là pour frapper encore, pour montrer. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont tous morts. Ah ben oui. Et puis, il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Plus clair que ça, mon frère. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Mais écoutez bien, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous posez la question, on va savoir, ils sont donc les Juifs, n'est-ce pas? Peut-être un peu, ça s'est passé. Je pense que dans Jean chapitre 1, peut-être qu'on peut trouver, si nous savons voir. C'est ça. Jean chapitre 1. Vous connaissez, non? C'est Jean-Baptiste dont on parle ici. Verset 19, il dit. Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, ne l'ayant point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Vous entendez cela? Donc, c'est les Sanhédrins, c'est tout ça, donc, les Pharisiens, Sadducéens, effectivement. Donc, il faut qu'on puisse comprendre cela et faire un peu la part des choses. Mais on ne va pas rentrer dedans, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Quand il dit ici, nous revenons à Jean chapitre 6, effectivement aussi, hein, où il dit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Verset 52. Verset 53 dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi donc celui qui me mange vivra par moi. C'est ici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ça, c'est quand même fort. Hein? Il a insisté trois fois. Alors, je crois qu'ils ont dit, il est contre Moïse, et c'est sûr et certain que vraiment c'est... Et puis, en plus, Moïse nous a dit qu'on ne peut pas manger du sang. Et lui, là, il ne fait pas, effectivement. Et puis, manger même la chair des hommes, effectivement. Mais si déjà, c'est de certains animaux, on ne peut pas manger. Mais alors là, il veut que nous mangeons sa chair. C'est tellement contraire, parce que Moïse nous a réellement aussi déclaré. Il dit, je vais dire, enfin, verset 58, il dit, mais c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pains qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses où c'est dans la synagogue, enseignant donc où c'est à Capernaum. J'y vais. Maintenant, verset 60. On nous dit. On est passé des juifs, non? Des incrédules. Alors, il y en a plusieurs de ses disciples. Donc, ce sont ceux-là qu'on appelle des soi-disant croyants. Ils sont avec vous. Ceux-là, ils croient un peu jusqu'à un point. Quand ça le convient, en fait, à ce moment-là. C'est d'alléluia, des amen, gloire à Dieu, alléluia, les seigneurs, oui. Et c'est quand ils sont venus qu'il les a envoyés pour chasser les démons. Ils sont venus, oh Seigneur, les démons même nous sont soumis. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ah, il
faut vraiment être très prudent. Faites très attention parce que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire ici que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un éboueur. Il ne ramasse pas les poubelles, en fait. C'est pour ça même, il a dit, mais c'est comme un filet qui est dans le monde, effectivement. Donc, comme ça, un filet. Puis on a tiré, effectivement, comme on disait dans la mer, on tire, effectivement, il y a tout qui est dedans. Mais le pêcheur ne va pas prendre tout ce qui est dans le filet. Il commence à trier parce qu'il cherche des poissons. C'est écrit, hein. Mais quand même, ça attire tout le monde. Je dois vous rappeler aussi dans les Saintes Écritures, dans les livres des Actes, chapitre 15, il dit, mais Dieu a jeté le regard parmi les nations. Pour faire quoi? Pour choisir au milieu des nations un peuple qui porta son nom. Les filets a été lancé. La lumière est partie, effectivement. Ils ont parlé de l'évangile, effectivement. Mais Dieu sait qu'il cherchait. Ce ne sont pas ces nations, mais un peuple parmi les nations qui porta donc. Comprenez bien. C'est pour ça qu'il y a frères et frères. Sœurs et sœurs. Il faut que tout un chacun de nous puissions être tous dans la catégorie des frères et sœurs, comme le jour de Pentecôte. Ils étaient tous de même cœur, une même âme. Ils aimaient tellement les Seigneurs d'un amour sincère, et aucun ne regardait les défauts des autres. La communion fraternelle, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, elles sont nôtres. Parce que c'est là que Satan combat, en fait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce que la Bible dit, c'est sur ça que nous devons persévérer. Je termine vite, hein, parce que bon, je retournerai peut-être un peu dans Luc, jusqu'on habite. Je vais lire, puis nous terminons. Hein. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu cela, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Eh oui, la parole de Dieu a toujours été quand même dure pour les incrédules et les soi-disant croyants, mais pas pour les fils et les filles de Dieu. Parce qu'au-dedans d'eux, Dieu a déjà eu à pouvoir préparer. Nous l'avons entendu. Ils seront tous enseignants. Voilà. Donc quand tu es enseigné de Dieu, tu ne peux pas t'opposer à Dieu. La voix est assez claire pour que vous entendiez. Vous entendez bien? Alors, écoutez bien maintenant, il dit. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples, ceux qui étaient accrochés à lui, n'est-ce pas, murmuraient à ses sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Parce qu'il y en a de ceux qui peuvent croire jusqu'à un point, mais quand tu touches à un point, ah non, on ne peut pas supporter ça, ça ne peut pas passer. Nous allons rapidement dire. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit donc et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns qui ne croient point. Donc ceux-là aussi, de soi-disant croyants, avec les incrédules, sont tous de la même catégorie. Vous me permettez encore un peu? Amen. On va aller vite au baptême, hein? Quand tu vas aller vite sortir, les frères vont s'occuper. Mais écoutez d'abord ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les soi-disant, donc les incrédules et les soi-disant croyants sont de la même catégorie que les incrédules. Je vais vous montrer quelque chose.
à Matthieu. Je crois que c'est Matthieu, chapitre 7, je crois, verset 21. Plusieurs, vous connaissez, je vais citer, vous connaissez, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci, chasser des démons par ton nom? N'est-ce pas vrai? Il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Alors, si le Seigneur vous dit que retirez-vous de moi, que je ne vous connais point, dans quel lieu vous irez? Pas quand même dans sa présence, pas quand même au ciel, pas quand même vivre avec lui, parce qu'il ne vous connaît pas. S'il ne vous connaît pas, alors il y a un qui vous connaît. Lui, il n'attend que ça. Alors tous ces démons que tu as dit, sortez! Ils sont sortis. Ils t'attendent là-bas. Oh oui, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il faut être sûr et certain de ce que Dieu a fait de toi. La grâce ne combat jamais la parole de Dieu. Même si c'est, on te dit que bon, non, quand c'est de la parole qui te dit ça en tant que fils et fille de Dieu, même s'il faut perdre tes amis, ta maman, ton papa, ton cousin, ton oncle, tous tes neveux, tes nièces, ainsi de suite. Quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, toi, vis seulement avec la parole de Dieu. Bref, regardez. Alors il dit, verset 64, il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Donc là, il parle de ses disciples. Plus de Juifs, parce que là, c'est déjà passé. Maintenant, c'est rentré maintenant dans la partie de ses disciples. Donc ceux qui ont dit que nous croyons. Donc, des soi-disant croyants, ils arrivent à être une limite. Quand la parole de Dieu manifeste encore sa lumière, ça devient difficile. Alors, il dit, maintenant, ils savaient dès le commencement, quand ils sont venus, c'est pour ça qu'il a dit, mais ne vous jugez pas de ce que les démons vous ont soumis. Vous vous souvenez de ça, hein? Et puis, verset 65, il dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut, vous avez entendu cela? Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit. Oui, il savait très bien ce qu'il disait. Je dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il a prié. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils l'ont donc reçu. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Est-ce que vous suivez? Amen. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère Nicolas. Il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils l'ont abandonné. Alors, s'ils l'ont abandonné, c'est qu'ils sont vraiment du côté des pharisiens et des sadducéens. Donc, le soi-disant croyant est de la même catégorie aussi que l'incrédule. Maintenant, je tourne maintenant. Il dit, je l'aime beaucoup, hein. Le maître, il est vraiment notre maître. Amen. Jésus dit donc aux 12, il regarde. Parce qu'il avait déjà dit ici, prononçant la parole ici, hein, que, mais il savait dès le commencement qui était celui qui les livrerait. Maintenant, il se tourne maintenant vers le 12. Parce que les 70, là, sont partis, non? Il dit aux 12, et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que ce que j'ai dû dire, effectivement, est insupportable. Tous les pharisiens, sadducéens, tout cela. Et puis en plus, pour tous ceux qui étaient aussi auprès de moi ici, qui ont marché avec moi, ils nous ont montré que là, ça devient très dur. On ne peut pas arriver à pouvoir supporter cela. Et vous? Ne voulez-vous pas aussi le suivre?
Alors il continue ici, il dit. Verset 68. Simon-Pierre lui répondit. Souvent nous répétons cette parole, mais il faut que tu te poses la question, quand je serai dans une telle condition, quelle position je devais prendre? Il dit, Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je l'aime beaucoup. Cet homme ici, Dieu soit béni. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu la révélation. Maintenant, écoutez, verset 69, il dit, et nous avons cru. C'est ça. Et puis il dit, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, faire une telle déclaration, il faut vraiment que tu aies été en Christ, en Dieu, parce qu'il lui a dit, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela. Donc, Dieu connaissait donc, qui était donc Simon-Pierre. Et la preuve, c'est qu'il vient de dire, il a dit, mais nous avons reconnu, et nous avons cru, nous. Parce qu'il a, il était là présent, il a vu. C'est ça aussi l'influence que vous pouvez aussi avoir aussi des âmes. Ils vont vous écrire par WhatsApp, passer ici, hein, cela, non. Nous, et chez vous, et on ne parle pas des âmes. Et ici, et cela, vous vous tremblez. Ah, nous sommes, est-ce que frère, et puis vous commencez à avoir des questions. Frère, est-ce que, on pose des questions parce qu'on vous a dit, est-ce que, frère, ça fait des années que vous êtes ici. C'est plutôt vous qui devez faire, leur fermer la bouche. Leur disant, nous savons où nous nous tenons. Vous ne savez pas encore. Vous êtes tellement à l'air, effectivement. Mais nous savons. Nous étions comme vous. Mais Dieu nous a délivrés. Et nous savons notre position. Vous défendez ce que Dieu vous a donné. C'est votre foi. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu n'es pas convaincu par le Seigneur, que tu ne crois pas en lui, quand ils vont venir, ils vont te séduire. Tu vas commencer à pouvoir, oui, et puis tu vois la soeur qui était ferme, le frère, parce que quelqu'un l'a tellement bombardé avec des choses comme ça, puis il commence à être là, mais il devient froid. Dire Amen, ça devient aussi, j'ai dit Amen, comme ils te suivent aussi pour pouvoir surveiller, ils vont voir, ah, tu as dit Amen ces jours-là. Dieu nous aide. Mais Dieu connaît tout ça. Bon, nous terminons avec ça. Hein. Et il ajouta, dénonciation, nous avons dit ça. Il dit, donc Jésus doit dire, et vous ne voulez pas venir dire, Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es nous. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, donc le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi? Je savais très bien que tous ceux-là, ils vont partir. Et vous, ici. Et puis, il dit, mais n'est-ce pas moi, vous êtes choisi, vous les douze. Et puis, il dit, mais, et l'un de vous est un démon. Donc, il savait, il était sûr et certain. Maintenant, retournons maintenant pour que nous comprenions encore très bien. Luc, chapitre 6, on lit et puis on s'élève pour pouvoir prier, n'est-ce pas? OK. Que Dieu vous bénisse pour la patience. Dans Luc, au chapitre 6, tout. Disons bien, quand vous rentrez chez vous, et il est temps de les réécouter. Luc chapitre 6. C'est cela, oui. Voilà. Oh. C'est ça que nous avons lu, non? C'est tout. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Chapitre 6. Alors, c'est verset 43. Il nous dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Vous suivez? Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. C'est la même chose, hein? On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor de son cœur. Les méchants tirent de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, verset 46, prêtez attention et puis on va s'arrêter. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il entend mes paroles et les met en pratique.
Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, c'est la même chose, hein, a creusé. Vous entendez bien? Et puis creusé profondément. Il n'a pas été seulement à la surface, hein. Il a creusé et puis il a encore creusé profondément, comme dit, profondément, et a posé le fondement où c'est sur le roc. Creusé, creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. C'est pas vrai qu'il faut croire superficiellement. C'est pour ça qu'on ne résiste pas beaucoup. Hein. Comme Matthieu chapitre 13, vous vous souvenez? Et puis il dit, une inondation est venue et les torrents s'est jetés contre cette maison. Les gens vont toujours ça vous influencer. Mais ça ne bouge pas. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'il était bien bâti. C'est lui qui entend mes paroles et les met donc en pratique. Et puis il dit, mais c'est lui qui entend et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents se jetaient contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est comme ça que vous l'avez entendu. Ils ont entendu, ils sont venus, mais quand cette parole a commencé à monter, mais qui peut l'écouter? C'est tellement dur, effectivement, et c'est le départ. Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous accorder sa grâce comme il le fait toujours. Ne vous bornez pas seulement à écouter, à répéter la parole dit, la parole a dit. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que nous mettions en pratique la parole. Dans toutes circonstances, qu'on soit dans la rue quelque part, quand la parole te revient, c'est pour que tu la mettes en pratique. Pas pour faire la démonstration, je connais les écritures, effectivement, je connais les prophètes. Non, non, non. Ce que Dieu cherche, c'est à ce que tu sois une partie de la parole, que cette parole vive en toi. Le maître a dit, nous le mettons en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre maître, précieux sauveur béni, ce soir encore, nous nous sommes tenus devant ton trône de grâce et nous te remercions pour ce que tu es venu, Père, pour aussi nous enseigner, nous instruire, effectivement aussi, nous montrer comment les choses doivent être vues et comprises aussi, parce que le monde et ce qu'il a, la pression qu'il veut exercer sur ton peuple, mon roi, c'est pour effectivement, Père, le faire sortir effectivement de la voie, mais que tu nous aides encore davantage, mon roi, comme tu l'as dit dans ta parole à toi, celui qui entend ma parole et qui les met en pratique, Père, c'est comme une personne qui a bâti la maison, il a d'abord creusé et creusé encore profondément. Il a posé les fondements sur le roc. Voulant, comme tu le dis dans ta parole, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, elle demeure et puisse s'enraciner, Père Saint-Dieu, dans chacun de nous, Père Saint-Dieu. Merci encore et continue davantage à pouvoir nous instruire et nous enseigner, Père Dieu, que nous puissions pas être des auditeurs oubliés, Père Saint-Dieu. Nous voulons être comme toi, tu le veux, mon sauveur. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Et nous avons encore convié encore ce soir d'être dans ta maison, Père Dieu. Je prie également aussi pour tous nos frères et sœurs que tu nous as donnés, Père Saint-Dieu, qui sont en connexion en ces lieux, Père Dieu. Mon âme te loue pour cela et mon âme t'exalte et te glorifie encore et sois béni et sois glorifié. Garde vraiment ton peuple dans ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sur ce chemin. Que tu veilles, Père Saint-Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas s'immiscer et qu'il y ait une mauvaise semence qui puisse être sémée, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur Jésus, que tu puisses garder ce peuple qui est à toi. Je t'implore la grâce, mon roi, qui ne vive que pour toi, qui n'aime que toi, même si le monde aujourd'hui le rejette en disant qu'ils ne sont pas conformes comme nos jeunes filles aujourd'hui qui veulent se conformer à ta parole, Père Saint-Dieu. Et que les gens disent, c'est vrai, Père Saint-Dieu, tu es vraiment merveilleux. Je demande grâce, mon roi, que tu les aides, que tu les soutiennes, que tu fortifies encore tes enfants et ton peuple, Père. Nous ne voulons pas nous conformer à ces siècles présents. Nous voulons fuir, Père Saint-Dieu, tout ce que le monde peut arriver à pouvoir nous présenter parce que nous ne sommes pas du monde, comme tu as dit, tu l'as prié, Père. Je ne suis pas du monde et eux aussi ne sont pas du monde.
Oh, Jésus-Christ, moi, tu as dit, je les prie pour que je sois préservé. Merci, Sauveur. Aide-nous encore. Ce soir, nous avons tellement besoin de toi. Et merci encore. Comme une biche soupira après des courants d'eau, ainsi notre âme soupira après toi, ô Dieu vivant. Nous voulons nous conformer à ta volonté, Seigneur. Pardonne à mes frères, pardonne aussi à mes sœurs. Et pardonne aussi, Seigneur Tout-Puissant, toute résistance qui a eu à avoir lieu, mais ton peuple se repent. Reviens à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce qu'il a compris que c'est l'ennemi qui cherchait à pouvoir l'éloigner de toi. Toi, la source d'eau vive, mon roi. Celui qui t'abandonne va mourir et périr, mon roi. Tu es la vie éternelle. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Cette chair, nous voulons la manger. Ce sang, nous voulons le boire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te disons merci. Merci parce que tu as ouvert nos yeux, tu nous as fait comprendre les choses, Père Saint-Dieu. Là où l'ennemi voulait nous en aller tellement, parce qu'il est tellement rusé, Père. Mais tu es venu nous ouvrir encore les yeux, mon roi, pour que nous puissions voir. Sois béni, sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, nous allons avoir service de baptême. Que le Seigneur bénisse cela. C'est un moment tellement merveilleux. Nous prions que le Seigneur accorde la grâce. Nous allons prier pour eux. Et j'étais touché aussi tout à l'heure. J'ai reçu un appel du Mali. Et c'est une sœur. La sœur s'appelle, je crois qu'elle vous a salué ici, Maman Rachel. Et elle me dit, frère, je vous suis en fait tout le temps sur Internet. J'ai dit, ma sœur, oui, là-bas au Mali, je vous suis. Elle dit que le Seigneur te bénisse richement. Et puis, bon, je lui ai dit que très bientôt, je dois partir le dimanche après les services, je pars. Alors, elle se pose la question, frère, est-ce qu'il y aura toujours des réunions en ligne? J'ai dit, oui, ma soeur, vous aurez des réunions en ligne parce que vous aurez des frères qui vont être avec vous. Nous allons prier pour les bien-aimés qui vont prendre le baptême, que le Seigneur vraiment soit avec eux, que ça soit vraiment profondément compris. Parce qu'ils vont mourir avec Christ, aussi ressusciter aussi avec lui. C'est vraiment un engagement d'une bonne conscience. Tendre Père et précieux Sauveur, ce sont des moments tellement merveilleux, Père Dieu, parce que tu as dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Regarde nos bien-aimés qui vont se diriger maintenant vers l'eau du baptême. C'est un moment sacré, moment important, mon bien-aimé Père Tubissant. C'est parce que tu as eu à pouvoir effectivement aussi instaurer cela, les baptisants. Il fallait qu'ils soient baptisés, Père. Et c'est comme cela que les diables ne peuvent plus avoir la main sur eux, Seigneur. Parce que nous avons été ensevelis avec toi. Notre vie est cachée en toi. Seigneur, sois avec nous. Nous te demandons grâce. Bénis encore ces moments que nous allons passer ensemble, Père Saint-Dieu. Quand nous t'avons ainsi prié, Père, de bénir encore nos enfants qui prennent ce baptême, Père Saint-Dieu. Nos jeunes sœurs qui soient bénis, Père. Et soutiens-le, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. C'est nom saint, le salut des humains. Les noms de Jésus.